salut à tous et merci de regarder cette vidéo et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui nous allons voir ensemble un lecteur d'écran en fait une voix qui est très connue par les personnes déficientes visuelles Jaws pour windows est prêt muni de la voix d'éloquence et éloquence exactement permet aux personnes non-voyantes et aux personnes malvoyantes de pouvoir utiliser un ordinateur sous Windows, de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Windows via le lecteur d'écran JAWS. Cette synthèse vocale et éloquente était par défaut sur JAWS, a été adaptée pour NVDA et aujourd'hui, je vous le présente, il a été adapté pour Android. On va tout de suite donc passer à la petite démo sur un smartphone sous Android et à tout de suite pour la démonstration. Quittez Jaws. Boîte de dialogue, quittez Jaws. Êtes-vous sûr de vouloir quitter Jaws Appuyez sur Entrée pour quitter ou sur Échappe pour annuler. <t 'en> Voilà, donc comme je vous ai dit, Eti Eloquence est une synthèse vocale très légère, très fluide et qui permet aux personnes déficientes visuelles d'évoluer sur les différents systèmes d'exploitation. Aujourd'hui, ça fait maintenant plusieurs temps que Eti Eloquence a été adapté pour Android. Je voulais vous le présenter car beaucoup de personnes peut-être ne savent pas que cette solution existe. Beaucoup de personnes non-voyantes utilisent Eti Eloquence. Et peut-être que cela leur donnera envie d'aller installer Eti Eloquence sur leur tollback. Attention, ça a un coût. On est à peu près sur une vingtaine d'euros. Une fois installé, il prendra entièrement possession de tollback. Et vous aurez Eti Eloquence directement sur votre smartphone ou tablette. Lorsque TalkBack est activé, l'appareil fournit des commentaires audio aux personnes malvoyantes et aveugles utilisant droit. Par exemple, une description vocale des éléments sélectionnés est activée. Retour. Accessibilité. Geste d'agrandissement, désactivé. Affichage des articles 7 à 14 sur un total de 14. Sortie de la synthèse vocale. Sortie de la synthèse vocale. Affichage des articles 1 à 7 sur un total de 7. MSV éloquence. Bouton lancer les paramètres du moteur. Paramètres. Langue, français, France. Paramètres de MSV et T-Eloquence. Paramètres du MSV et t -Eloquence. Général. Imposer les paramètres de pitch vocal, applique le réglage de pitch vocal du MSV et t au lieu de ceux de l'application. Case à cocher non sélectionnée. Pitch. Dictionnaire utilisateur. Ajouter un mot, ajouter un nouveau mot au dictionnaire de l'utilisateur. Liste de mots, il y a un mot. À propos. À propos du MSV et éloquence. Retour. Paramètres. Retour. Sortie de la synthèse vocale. Cadence, vitesse à laquelle le texte est énoncé. Alerte cadence, annulé. Affichage des articles 1 à 9 sur un total de 9. Normal, sélectionné. Plus rapide, non sélectionné. Sortie de la synthèse vocale cadence, à laquelle le texte est énoncé. de la Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Surtout n'hésitez pas à partager, liker et à vous abonner à la chaîne Vision Hightech. À bientôt pour une prochaine. Salut à tous.